Hello, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais faire un petit cocktail pour changer. Donc, je vais réaliser ce cocktail, donc le Sex on the Beach. Ça parle, hein? Donc là, on va mettre. Alors, c'est une recette pour deux, mais comme on est trois, donc je vais mettre pour trois. D'accord? Donc, 60 grammes de vodka, donc je vais mettre 90 grammes. Voilà. Ensuite, il nous faudra 30 grammes de liqueur de pêche. Donc, de la liqueur de pêche. Bon, c'est de la liqueur de pêche de vigne. Hein. C'est de la crème, moi. Crème, liqueur, bon, c'est pareil. Donc là, 30, 45 grammes, hein, puisqu'on est trois toujours. C'est super hein, pour faire vos petites boissons avec le Thermomix. Hein, toutes vos boissons, tous vos cocktails. Le mojito aussi, j'adore. La piña colada. Avec ou sans alcool. Donc 80. Donc pour 3, ça fait 120 grammes de jus d'ananas. Hop, il y a quand même du jus d'ananas. Hein, il n'y a pas que de l'alcool. Non, 120, j'ai dit, pardon. Faut pas oublier hein, quand vous doublez les quantités, vous en mettez plus de tout doublé. Hein. Donc là c'est pareil, sans. Il demande du jus de canneberge, donc cranberry, hein, c'est pareil. Hein, chez nous ça s'appelle comme ça. Donc 120 grammes, pareil que le jus d'ananas. Alors, 6 glaçons. Alors, les glaçons, voilà. Bon, moi, ils sont petits, mes glaçons. Hein, donc, j'en mets un peu plus. Donc, là, vous mettez ce que vous voulez. Voilà. Moi, je suis large en glaçons. Hop, insérez le couvercle et le gobelet. Et c'est parti, votre cocktail en 15 secondes, vitesse 5. Alors, le Thermomix a terminé notre. Alors, je vous montre. Regardez comment c'est beau, c'est rose. Donc là, j'ai mes beaux verres où je vais mettre. Vous voyez, c'est vraiment super. Et c'est très bon. Je l'ai déjà goûté. Hein. Donc pensez hein, faire réaliser toutes vos boissons aussi dans le Thermomix. Hein. On va mettre pareil égal parce que. Et voilà un petit apéro, vite fait, bien fait, en 15 secondes, quand on a tous les ingrédients. Eh bien, écoutez, j'espère que cette petite vidéo rapide vous a plu et je vous dis à bientôt pour d'autres recettes.